Bon, et monsieur Kaoli, welcome dans la communauté. C'est un plaisir pour nous avoir un jeune vice-président dans la jour. Ça inspire nous-mêmes qui vivons avec Seigneur qui vient 30 ans, 40 ans d'ailleurs, comme on dit que nous des villages que nous avons fait pour nous en Haïti. Bon, nous-mêmes, bah, ici, quand vient New York, et nous juste allons regarder en Haïti, moi-même personnellement, nous avons deux concerns. Nous avons un concern au niveau de l'électricité et nous avons au niveau de sécurité en Haïti. Je ne vais pas trop philosopher, je ne vais pas être bagarre, je juste mal. L'homme est président, parce que nous avons plusieurs conférences comme ça, différents candidats venus parler avec nous dans la communauté. Au niveau de sécurité en Haïti, côté mon ap mouri, en plus de diaspora descendre qui va tourner, mon mouri à gauche à droite, et l'électricité apparemment améliorée par un courant, par un droit. En détail, expliquez-nous, l'homme est président, sur le plan électricité, qui font rien pour améliorer la situation courant en Haïti, côté que ou en Haïti, on carré fait calafé noir. Par un courant, par une sécurité, quand on va faire au niveau élection là, côté que conseil de côté reculé, on va même qu'à voter, par un chef sur les lieux, par un monde qui a. L'homme président, qui sont prêts à faire pour améliorer au niveau l'État, pour responsabilité, à part du sel, à part fonctionnel, par un courant, par un bail. Qui sont prêts à faire différent comparativement avec l'autre président qui était là en avant, qui sont qui objectif faut. Dans le contexte, ça, dans le sens ça. Bon, l'homme, c'est Daniel Haïti Créole. On dit en bien Haïti Créole. Au niveau de la justice, ça fait longtemps que l'État vient pour faire les réformes. Toutes les réformes de l'État, côté que, qui c'est réforme de la justice, toutes les réformes des institutions, plus institutions nous sont fortes. Et ou indépendant, plus n'a bien sécurité dans le pays d'Haïti. De notre côté, au niveau sécuritaire, nous sommes capables de dire que nous avons une police de 11 à 12 000 membres pour une population de 11 millions. Chiffre trop faible. Rapidement, il faut que nous travaillions pour justement augmenter l'effectif de la police. Quand il y en a, insécurité a lié directement, encore une fois, avec niveau pauvreté que le pays nous a gagné. Ça veut dire que, on leur fait encore 2 dollars par habitant qui a circulé dans le pays. C'est une raison qui fait que l'insécurité a allé en augmentant et est difficile, justement, pour nous arriver. Croissance économique. Ça veut dire que faut que nous attaquions les problèmes économiques. Ce n'est pas un bagage qui est arrivé dans l'immédiat. C'est un travail que nous avons fait progressivement pour nous arriver là, pour nous arriver bon, pour justement nous arriver à améliorer côté sécurité du pays d'Haïti. Vous avez une deuxième question? Oui, nous n'avons pas une politique parce que Haïti, New York, là où est Haïti, si vous êtes sous IMO, bien, vous avez regardé tout le cas fait net. Et depuis 8 heures, vous avez dans le pays. Au niveau capital, là, nous allons rentrer dans la province côté reculé. Si on a demandé, et au monde qui parle président là, qu'on est là, c'est là un sujet, nous avons notre perspective. Au niveau, parce qu'on ne peut pas parler de développement, ça ne peut pas parler de facture sûre. Il faut qu'il y ait route, de l'eau potable, courant. Bah, courant, c'est une bah, qui est essentiel. C'est tout organisé qui fonctionne. C'est-à-dire que le monde qui parle président là, en gros, on parle avec nos communautés extérieures, qui sont en perspective au niveau énergie, qui sont le mettre pour améliorer la situation. Problème courant qui est un petit gros problème pour moi-même, après sécurité en Haïti. Okay. Problème courant lié encore une fois à problème économique pays. Quand on a fait un petit bilan pour m'expliquer qui ça courant y a en général en Haïti, on a parlé à peu près de 200 MW installés, qui travaillent, qui créent un déficit annuel de 300 millions de dollars. Nous avons 200 MW. Saint-Domingue à 2000, nous à 200, nous à 10%. Ils causent un déficit de 300 millions de dollars. Déficit à qu'on y a là, dans la recherche que je fais avec divers opérateurs que je balais, ils sortent à 3 niveaux. Premièrement, leur produit courant. Leur passer sous réseau, ou perd du 20% là-dedans. Ça veut dire que sous 100 MW qu'on produit, ou perd du 20 MW sous fil là seulement. C'est 20 MW qui t'a dû arriver dans la population.
qui va jamais arriver dans la population. Ça veut dire que, comme on parlait d'infrastructure, premier bagage nous devons faire, c'est justement réhabiliter le réseau de distribution EDH là. Côté que automatiquement on fait, le peuple n'a pas besoin de plus courant. Numéro 2, l'État, je dis à la réussite, facturer, ce n'est pas collecter, non, 25% facture seulement de sa vente population. Ça veut dire que chaque fois l'État vend 100 MW courant, il facture 25. La 25, il facture, il touche 18, parce qu'il touche 80% de sa facture. Ça veut dire que sous améliorer le réseau, on va récupérer 20. Si on a réussi à facturer plus, pour qu'il ne soit pas passé facture, ou réussi à facturer 75%, c'est autant de l'argent qu'on a gagné pour capable bailler la population plus d'électricité. Ça m'a demandé pour mettre l'ordre dans des ordres, tout simplement. On nous ranger, ça n'est pour nous ranger. On nous administrer. Et c'est sa force administration dans le c'est ça, moi-même, c'est ça qu'on fait. On a des objectifs, mettre moyens, et pourtant, le résultat. L'île pour nous prendre politique là, nous mettons sous côté. Nous regardons économiquement qui ça nous a fait concrètement pour nous permettre le pays à avancer. Électricité, c'est on la donne. Ensuite, vous me dites, mon cabri a gagné une capacité éolienne de 60 MW. Ça veut dire que vent virer la bonne courant. Qui a alimenté pour ton pressant seulement ou bien? Qui a alimenté pour ton pressant seulement. Okay. Rivière Mimbalet. Et où qu'on mette en réseau avec et capacité hydraulique qui gagne Pélic. Qui a suppléé Pélic. Nous avons chute de l'eau qui boit 300 MW. Je dis à nous pour nous faire des choix. Côté que, est-ce que je continue à acheter gaz pour me bailler courant? Ou sinon, est-ce que je prends éolienne que je fais un investissement? La bail courant ou pas gagner pour acheter gaz? Ou sinon, est-ce qu'on prend de l'eau, qu'on vire tubine, qu'on boit courant, qu'on n'a pas besoin d'acheter gaz? Nous avons pour nous faire des choix. Faut que nous chita avec l'opérateur actuel qui te prend risque, qui fait investissement ça. Et puis pour nous dire, monsieur, on fait des projections sur 10 ans, sur 5 ans, on transforme les bâtiments, on améliore, on rend les meilleurs marchés. Ou pas qu'à développer l'industrie sans qu'il y ait l'électricité, ça n'a pas existé. Ou bien tourisme, même genre. Okay. All right. We get deux. Non, allez, voilà.